Canal Plus. Bonjour mademoiselle, je voudrais recevoir en écoute. Bonjour. 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 Vous avez bien un bon retrait. Ah. Pourquoi cette date fatidique, monsieur le président, du 5 novembre? On aurait pu différer, on aurait pu faire comme les autres. Attendre 10 ans. C'est jamais prêt en France. C'est jamais prêt. Donc, vous laissez tomber votre deuxième facture. Hein? Vous avez votre décodeur? Alors, les gens appellent, disent du genre anonyme. Tout de suite, allô, caca plus, toc, on raccroche. Je suis un président d'une équipe dans laquelle j'ai heureusement des collaborateurs de haut niveau, et particulièrement Pierre Lescure. Pierre Lescure, il me fait l'amitié, parce qu'on s'entend très bien, de me parler de ses projets. Une série de 52 minutes, l'homme le plus fort du monde, sont 8 colosses qui tirent des camions, qui lèvent des tonnes de pierres, qui sont énormes, barbutiformes, en gros plan, tout ça, $2000. Et puis... Mais qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ils devraient être un peu... Tu vois, briefer les gens 5 minutes avant l'antenne, ce n'est absolument pas possible. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais c'est pas possible. Top à lui. Merci. Je vais simplement vous dire, si quand on fait quelque chose en France, on n'est pas obligatoirement un tricheur, un menteur, un voleur. Or, quand on veut pas, l'autre jour à la conférence de presse, bon, c'est vrai que je suis un peu irrité, parce qu'on vous montre quelque chose d'extraordinaire, qui est une réalisation française, où tous les talents se sont dépensés pour réaliser en 6 mois... une chaîne de télévision alors que les autres mettent des années. Et les seules questions qu'on me pose, c'est: mais vous avez 70 000 abonnés, mais vous avez combien de tiroirs? Vous avez combien de chèques? Et ces chèques, est-ce que vous avez compté les chèques qui étaient sans provision? Et puis, ces gens là-bas qui viennent des chaînes publiques, ils touchent combien par rapport à ce qu'ils touchaient? Bon, reconnaissez quand même le côté ras des pâquerettes, pour quelqu'un qui croit à ce qu'il fait, c'est un tout petit peu irritant. Jeudi à Toussaint, les 5 heures, ça fait donc 12 heures que je suis levé déjà. Je suis pas trop marqué pour un mec de 39 ans. Alain, il est là. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Monsieur le Président. Je vous rappelle où en plus. Vous allez me cacher de toute façon, c'est pas... C'est insupportable. Les 3 nets quand même. Eh bien voilà, je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Hein, c'est terminé, Jacques? En bon état. Oui. Parfaitement. Vous aussi. Vous êtes superbe. Ouais. J'ai envie de rester encore 3 quarts d'heure avec Alors, vous. Alors restez, moi je vous donne le sommaire de demain et puis je me sauve. S'il vous plaît, les gens qui n'ont rien à faire sur le plateau. La pétoche, c'est quand même un des stimuli les plus... Le jour où on n'a plus peur, il faut se barrer. Efficace. Ouais, non, je suis fatigué. Je suis crevé. Content, oui. Content, mais crevé. Alors, on regarde ni en avant, ni en arrière. Il est vrai que ça ne facilite pas les choses, hein, que vous ayez Rousselet comme président, je reconnais. Mais je m'en rends compte. Hein. Pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Hein? Ouais, donnez un peu de patience. Mais ils me font le procès à la fois d'avoir au Parti Socialiste que des adversaires, puisqu'ils me font dire ce matin dans le Parisien Libéré, si tous mes ennemis du Parti Socialiste étaient inscrits à Canal Plus, j'aurais pas de problème commercial. Et d'être là, la chaîne de télévision du pouvoir. Il y a quand même une petite contradiction. Canal Plus,
c'est d'abord la jeunesse qui frappe, Alexandre Duchamp. Oui, ce qui frappe, c'est la jeunesse, une équipe qui forme déjà une famille, un matériel ultra sophistiqué, le plus récent, donc miniaturisé au maximum. Donc il y a l'exigence d'être bon. Il y a la certitude d'être bon. Écoutez, là. Voilà. Mon passage au grand jour est terminé, et maintenant, c'est les programmes qui vont avoir la parole, qui vont avoir à transformer l'essai que vous tous, commerçants, techniciens, avez marqué. C'est pas grave, hein ? Je ne pense. Voilà, il suffit de taper sur ce côté. En fait, la gageure technique des 20 heures sur 24, ça veut dire que malgré toutes les simulations du monde, et on en fait sans arrêt en ce moment, il y aura des merdes techniques au départ. Moi, j'ai trouvé très bien le papier de Gavi sur le président de Canal+, parce qu'on m'a appliqué un épithète qu'on m'a jamais entendu, attendrissant. Bon, je ne vous ai pas vu, hein. Si j'arrive. Dernier avertissement, c'est que à partir de lundi, on met ton propre temps. Absolument. Je vais vous dire que dimanche, est-ce que j'ai réfléchi au démarrage de la chaîne? Je pense que je vais vous soumettre l'idée à 8h moins 1, vous êtes en régie. Il y a une caméra de direct en régie. La première image, c'est vous en régie. Et vous dites, par exemple, dimanche 4 novembre, 8h moins 1, Canal Plus démarre. Vous appuyez symboliquement sur un bouton, le générique part. Est-ce que ça vous convient? Bon, je me barre, j'en ai marre. J'ai le... j'ai la trouille. Salut, à demain matin. Salut. Bonne nuit. Hein. Je suis un peu ému là. Hein, je suis un peu ému. Ouais, ce matin, moi aussi. Au moment du démarrage, on a un peu vertige. Hein. 47, quelle angoisse. Attention, silence. Il est 7h59, 55 secondes. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Le président de Canal+, au nom de toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui sont devant leur poste de télévision. Bonjour à toutes et à tous, donc pour Michel la Denisot. Première télévision du matin sur la première chaîne Voté en France, monsieur le président. Merci de venir auprès de nous avec, je crois, qu'on félicite les parents quand il y a une naissance.